Salut à tous, c'est Clément Seumann. Je vais vous faire un tour de magie avec un anneau de couleur bleue et une ficelle de couleur jaune. Ce que je vais faire, je vais m'attacher les poignets avec la ficelle. Alors ça, normalement, c'est un spectateur qui le fait, mais comme je suis tout seul, je vais le faire moi-même. Alors, je m'attache les poignets. Voilà. Attendez. Hop. Et je fais pareil avec l'autre poignet. Alors ça, normalement, c'est le spectateur qui le fait. Ce n'est pas moi, mais comme je suis tout seul, c'est moi qui le fais du coup. C'est moi qui le fais moi-même du coup. Donc là, j'ai les poignets attachés. Et il va falloir que je fasse passer l'anneau à travers la ficelle, de façon à ce que l'anneau soit rendu soit sur ce bras-là ou soit sur l'autre, mais sans enlever la ficelle et très rapidement, c'est-à-dire en un temps record. Alors pour cela, je vais me retourner et je vais faire passer l'anneau à travers la ficelle pour que l'anneau soit rendu sur l'un des deux bras, mais sans ouvrir, sans enlever la ficelle et très rapidement. Attention, c'est parti. Regardez, l'anneau est maintenant emprisonné à travers la ficelle. L'anneau est prisonnier. L'anneau est passé à travers la ficelle. Et sans que j'enlève la ficelle, l'anneau est passé à travers. Et voilà. Et on peut donner le matériel à faire examiner par les spectateurs. Ils s'apercevront que le matériel n'est pas truqué. Hop. Et voilà.